Amo caméraman. Moi je dis que pour passer un bon gala de pâte thaïlandaise, il faut se restaurer. Il faut se restaurer en petit pain. Dans plein d'autres choses. Oh bah ouais, c'est tranquille. Merci. Et voilà. Ouais, bah on attend les autres. Hein. Ah, je suis même pas là pour ça. Moi. Non, j'attends. Alors, nous sommes actuellement dans la tente. La tente du commencement du gala ici à... Mulhouse. Alors, c'est la tente. Le suspense ici à Mulhouse. Et je voudrais recueillir justement quelques impressions d'un entraîneur qui apparemment essaye de tuer le temps. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors quel état d'esprit peut avoir un entraîneur pendant ce temps d'attente? Il faut qu'il se ressource et qu'il ne soit pas embêté par les gens en fait pour essayer de voir la technique de boxe à exécuter. Quel état d'esprit les boxeurs peuvent avoir dans leur tête en ce moment? On voit que certains sont déjà un peu KO. Il faut dire qu'ils ont eu une grosse préparation, que là, hier ils sont sortis pour se ressourcer. Ils ont été se coucher très très tard. Je pense qu'il a au moins 4 grammes là. Ça l'aide à combattre l'appréhension du ring. C'est un antiseptique, vous pensez? Le fait d'avoir 4 grammes? Alors antiseptique, c'est quand on se blesse. Après, un antidépresseur, oui, peut-être. Ouais. Et vous, là, comment vous pensez vos boxeurs qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ben, ils vont déjà monter sur le ring. Et après, le descendre. Et après, le redescendre. Après, est-ce qu'ils seront victorieux ou pas? Ouais. Tant qu'ils passent les cordes, c'est déjà des champions. Moi, je vous remercie. De rien. Alors... Peut-être une réaction de certains parents qu'on va essayer d'avoir quand même. Alors, c'est pas évident parce que les parents, on a du mal à les avoir de temps en temps. Alors, Hassan, bonjour. Bonjour. Ou salam alaikum. Salam wa ta'ala. Alors, Hassan, tu participes aussi des fois à la préparation des jeunes boxeurs ici à Bouchain. Enfin, pas ici parce qu'on est en Belgique, mais au Wira Muay Thai. Comment ça se passe? Alors, ça se passe super bien, là. Je vais vous présenter un jeune boxeur là, qui était en France, qui a rien foutu. Mais bon, je fais partie des oléos de la vie. On a revêti comme je suis à la dernière fois de combo, je les ai entraînés pour t'en taper dans du parpaing. Ils m'ont cassé de parpaing, mais arrivé au combo, c'était terminé, il n'y avait plus personne. Alors vous l'aurez compris qu'on est en Belgique, mais surtout dans le nord de la France. Hein. Alors, que t'as dit contre les gars du nord? rien du tout. Ouais, mais ça dépend de notre entraîneur. Hassan, t'as vu les Rune Girls où ils sont? Bah je sais pas, je les cherche depuis tout à l'heure, mais le grand est venu m'interpeller. Tout à l'heure, hein. Bon, j'ai mis, je pense, sur quelle chaîne? Ah, sur SLR chaîne, TV oh, SLR. Oh, je suis eux, oh, salut, hein. Alors, dans quelques instants, ça va commencer. On sait pas si... Si les combats sont prêts, mais en tout cas, alors il y a des nouveaux spectateurs justement du Muay Thai que je vais essayer d'avoir quand même, parce que c'est pas évident des fois de les avoir, hein. Alors, c'est juste qu'il faut, bon bah c'est tout, hein. Je vais pas lui péter les jambes puisqu'ils sont déjà pétés. À suivre les combats du club de Thomas, le Muay Thai Wira. Mike, un mot. Un mot. Merci Mike. Voilà.
C'est logique, j'ai demandé un mot. Ils veulent me faire six pieds sous terre. J'ai l'accent d'alpha, la vie de ma mère. Les jours je les bois, les nuits je les calme. Même l'ange de la mort a le permis bécane. Ils ont relevé les plombs, si tu le sais réponds. Plusieurs messages sur le PGP en effet. Ça bombarde à fond, sauter au plafond. Je les fais, stupéfait, défait, les stupons défait mes fonds. Merde, le génie dans la bouteille. Pourquoi tu bafouilles, je crois tu parles de voisin. C'est moi le grand de la tête, on a tourné petit frère. Je suis même capable de te présenter ton voisin. T'es pas assez pécho, seul dans l'audi. Ils veulent pécho, appelle Yabou. Ma gueule c'est des sosies, craque dans le réchaud. T'es passé chez So, les condés aussi. C'est Playmobil, là les histoires. On fait neiger, on fait pleuvoir. J'suis pas responsable, j'suis influençable. Même sa mère la juge m'a interdit de me voir. Il arrive derrière, mais j'l'ai vu gros. 9 mm coché sous le bureau. 9, 3, 4 et billard. On est 6 milliards comme les mecs. Alors, sur l'échauffement, v'là de soi. Quand on nous a fait à faire un combat. Ça c'est l'échauffement de Riyad par Thomas. Et l'échauffement à la corde pour le boxeur. Ah, c'est vrai que j'avais oublié. Alors, un boxeur a toujours envie de s'exprimer. Alors, sur le ring, il s'exprime, j'ai envie de dire, avec les mots. Là, je vais juste simplement lui demander un mot ou deux, quoi, je veux dire. Un mot, boxeur. Moi, j'adore ce boxeur, il s'exprime vraiment de la façon la plus claire. Alors, tout à l'heure, j'ai dérangé un boxeur pendant qu'il faisait de la corde. Ça se fait pas. Je m'en excuse auprès du boxeur et de ses mollets. Mais là, il est à côté de moi et je souhaiterais vraiment qu'il puisse s'exprimer longuement à cette question. Alors, boxeur, j'ai une question pour toi. Bon, tu t'es préparé pendant des semaines, t'as peut-être fait des rêves, des cauchemars, etc. Est-ce que tu pourrais me dire tes impressions? J'ai pas peur. Tu te sens bœuf là? On va casser la baraque. Bah ouais, comme toujours. Un dernier mot. C'est le meilleur des mots.
Prochain combat séparé Marcel de Niclo et Marco de Luxembourg. Voilà, voilà. On va dans
dans le coin bleu, Nicolas Mirela Saint-Zartay. Yeah.
Vraiment, il y a vraiment un encadrement de qualité vraiment à la boxe thaï. Alors, ils sont plutôt portés sur les herbes. J'aurais pas eu shit parce que moi là j'ai la balle. Maman. Maman. Non mais là, franchement sérieux quoi. Je veux dire, les gars ils font lever les jeunes vraiment en hauteur quoi. Je veux dire. Maman, je t'aime. Je suis au championnat. Ouais, on y va, nous. Allez, viens. Au revoir. On va aller fumer. Dis pas ma mère que je fume, elle le sait pas. Alors, on va fumer à choper de drogue. Allez, on y va. C'est pas vrai, maman. C'est pas vrai. Elle donne. Ah là là, je te jure. On a
attendu longtemps, mais au moins on a du spectacle. Sans la fume, je contrôle, je résume. Derrière ton costume, comme d'enfer, tu peux me la faire à moi. Merci, qui vient de Muay Thai Mira. Que du gros zèle, sur la tête, je rosé, compte ma rosée, sur du gros zèle. Je ramène de la chouque et la zeste, c'est pour chevet, tous mes repères et mes grossesses. Pour la vie, te fais patiner, le rapide, comme et tout, je peux faire calciner. Ouais, chaque son noir que je fais, je refais avec un nœud que j'arrête pas de signer. Je suis venu pour la bourse, on va ranger les drôles. Genre de la bourse, on va changer les rôles. Merci, il fait barbare, mais quand j'y ai barbac, car après le barbac, je tire sur l'épaule. Pour un peu, la volaille, c'est pour bien. Une histoire de dollars, c'est pour bien. Grosse peine de dollars sur les gars. On la mange, voyons, c'est sa taille. J'ai soif. Oh!
Ça tape. En même temps, ils vont pas se faire des caresses.
pour faire du ping-pong. Je vais te filer les thunes. Ah, le, ça coûte combien? Tu te fais massacrer par ta mère, c'est pas moi. Non. On y va, Riyad, là. Moi j'ai dit il va se faire massacrer par ta mère. Hein. J'ai pas voulu donner ses thunes, hein, mais c'est pas les miennes. 3 balles. C'est pas la rue, mais il y a besoin. Comment leur faire confiance? Ou pas. Ah bah voilà. Bien. Dis-le fort à la caméra à cause de la musique. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? La femme elle a dit si je serais pas là elle aurait rien gagné en thune. Big up. Le vainqueur est dans le coin bleu. Ouais. Ouais Alex. Ouais. Woo!